الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, une de bonne façon plus encore pour un celui qui n'a iman pour l'icône Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers ce bon nom. Et alhamdulillah, si nous guettons parmi bon nom qui nous fin prend la dernière fois, bon nom qui se dit de hadith, de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse sans limite, li pas fin cite li, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne-nous parmi Bandoura, nous dire bien parmi Bandoura, qui nous lit avant de nous faire salam. Non, arrête la même. Un de Bandoura qui doit qui nous fait, chers frères et sœurs, nous dire un parmi, accepter, c'est avant de nous faire salam dans Namaz. Tous les temps, on a l'habitude, Allahumma inni zolamtu nafsi, Allahumma inni zolamtu nafsi. Tous les temps, on a l'habitude là. Livrer, c'est un premier doua qui est là. Mais seulement apporte ça, il y a plusieurs doua. Même, ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas de citer sa place là. Même, on connaît, c'est un premier doua, moi-même, jamais de sa place là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finir, Rabbana atina fid dunya hasana. Mais seulement, il restait, c'est une place qui n'a pas fait doua. Mon frère, lui. Mon frère, lui, même ban les autres petites choses qui moi m'ont bizarre, chef frère, moi m'enni. Et un premier ban de roi, c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour nous dire Allahumma fili khatuyati. Wallah, pardonne-moi mon péché. Ma jahartu bihi wa ma arlantu. Ban sa qui m'a fait en cachette, ban sa qui m'a fait au clair. Sa personne n'a dit contient wa ma asraftu. Ban gaspillage qui m'a fait. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Et ça, ban péché qui m'ont fait, qui toi t'as plus connu, oh Allah. Oui, j'ai fait l'impossible, et n'action comme m'a fait, me connaît ça, c'est un péché. M'accepter. Mais seulement, il a péché, après une semaine, comme on a l'apprendre, après un mois, et n'a péché, l'impossible, demain, me quitte dunia. Moi, je connais ça, un péché. C'est pour ça qu'il y vient, un de bonnes paroles, wama anta a'lamu bihi minni. Qui ban action qui m'ont fait, c'est un péché. Mais seulement, toi t'as plus connu, oh Allah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Wallah, pardonne-moi. Qaddamtu ban le passé wa ma akhartu sa kibou vini. Ensuite, il dit antal muqaddimu wa antal muakhir. C'est toi al muqaddim et c'est toi al muakhir. Quand nous guettons chez les frères, quand nous prenons les mots qaddama yuqaddimu ou bien akhara yuakhiru, qaddama veut dire faire vini devant. Faire vini devant. Akhara al alawiyya. Akhir, akhir, dernier. Akhir, dernier. Quand damasé, fervin devant. Ça, quand nous guettons sa signification dans le langage arabe. Et hadith qui mentionne, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu cites ça, dénonce-le, avant qu'il y fasse salam, dans un des bandoras qu'il y fait, enseigne-nous. Donc, pour un celui qui n'a iman, comment il comprend le nom al-muqaddim, le nom al-muakhir, en tant qu'un nom Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, comment nous te dire, comme un savant explique-le, qui s'en a qui fait venir de l'avant, c'est Allah. Qui s'en a qui retarde lui, c'est Allah. Qui s'en a fait une petite chose venir de l'avant, excepté c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et qui s'en a qui retarde une petite chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous te guettons, pour un celui qui a iman, l'effet qui s'est fait, le sol, la foi, chers frères et sœurs, c'est un parmi là-dedans, ça dit mouna, il n'a pas fait droit avec un seul parmi sa bande non-là. Non, il servit tous les deux noms. Il n'a pas dit, oh Allah, fais mon travail, moi aussi, fais mon travail, al de l'avant, parce que tu aimes al-muqaddim. Ensuite, tu arrêtes la même. Non. Oh Allah, mais seulement si tu retardes mon travail, moi accepte-le parce que tu aimes mon akhir. Moi, on tous les deux ensemble.
Moi, mène tous les dix ensemble. Moi, pas prendre un seul nom et moi quitte l'autre. Et dernier rappel, l'autre, ça des noms là qui nous prend semaine passée, chers frères et sœurs, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il débout pour salat, il dit avec son bon compagnon, coste complète sa safla, ban qui vient en retour. Je peux compléter ensemble avec ban qui à l'orier. Pena un peuple qui continue faire retour, veut dire pour salat, excepté qui Allah subhanahu wa ta'ala fait l'ivin, fait l'ivin du monde qui vient en retour tous les temps. À travers namaz, à travers salat, ça retour qui nous peut gagner là, nous peut développer ça dans l'habitude, chef et sœur, ça vient dans nous-mêmes, tous les temps nous en retour. Tous les temps nous en retour. Mais il y a un monde qui est ponctuel. Un monde qui, comme Azan donné, il prend le namaz. Oui. Les quitter y aller, veut dire les rester rentrer, au plus aller ou rouler une ratin tibout, mais pas tous les cinq namaz. Pas tous les jours, comment faire salam ou get à l'orier, vous regardez toi qui dit mon qui peut déhier là. Non, non, non. Les rester rentre dans l'air, excepté qu'à travers sa soirée là, sa namaz là, sa dimoun là, les vins en dimoun qui ponctuel. Ça, c'est les deux noms qui, alhamdoulilah, nous prenons la dernière fois, chers frères et sœurs, des noms qui avec nous pour aujourd'hui, Inch'Allah, en, c'est le nom Al-Mannan. C'est le nom Al-Mannan. Quand nous guettons Al-Mannan, Alif Lam, Mim, Nun, Alif, Nun. Quand nous guettons le nom devant nous, pour nous apprendre, Alhamdulillah, c'est nous mazine le nom Ad-Dayyan. Nous mazine le nom Al-Hannan. Mais ici, sa première lettre là, il changeait depuis Al-Hannan, il vient en Mim. Il veut dire Al-Mannan. L'osa nun là, il vient en Shadda. Donc, ça, c'est le nom Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce nom là, alhamdulillah, de notre qualité, mais quand nous pouvons vivre ce nom là qui veut dire, quand nous pouvons dans le langage arabe, premier qui m'ont éliminé, c'est sa première lettre là, Alif Lam. Alif Lam, il rend deux mots pour définir. Ensuite, le temps m'a dit, c'est Alif Nun qui vient à la fin là. Pareil comme Dayan, Hannan, ici ça Alif Nouna, l'ifinvin à la fin, comme un ajout pour son de sa nom là. Qui restait? Reste sa mime là avec sa nom là. Ziz de lettre? Non. Nous disons que le nom c'est Al-Mannan. Veut dire ça, Nouna, il y a un shadda là, un tajdid. Veut dire Noun comme il y a, il y a deux Noun. Première lettre c'est quoi? Mime. Veut dire Mime, Noun, Noun. Il y en a ces trois lettres radicales. Mais là-dedans, des lettres-là, pareil que moi le mot Rab. Rab. Combien de lettres il y a? De nous écrire des lettres. Mais seulement Bela, il y a un Enchadda Al-Mannan. Chers frères et sœurs, le mot Man. Mim Noun. Quand nous guettons dans le langage arabe, un pour mission de signification, Man Ralehi Manna. Manna, Shadda Lavini. Ralehi Yamunnu Mannan Ahsana wa An'ama. Ahsan, être bon et faire faveur. Ahsan. Ahsan veut dire plus bon. Ahsan veut dire plus bon. C'est ça. C'est ça qui nous gagne. Walillahil asma'ul husna. Husna pas veut dire joli. Comme nous nous disons souvent dans une introduction, etc. Beaucoup plus que nous trouvons une écrire The Beautiful Names of Allah. Les jolis noms. Zame, Husna veut dire joli. Husna veut dire bon, dérivé du mot Hassan. An'am veut dire faire faveur. Sans compter qu'il y ait bon et aussi lui faire faveur. Nous guettons ce deuxième signification, chers frères et sœurs. Wal ismu al minna. Ism. Le mot man, ce nom, c'est minna. Wahi al ratuya. Lui veut dire donner. Lui veut dire donner. Ajoute ça de l'ensemble. Veut dire un qui donne. En même temps qu'il y donne, il est bon. Et quand il peut donner, il peut faire faveur. Prends tout le monde signification là. Un il veut dire donner. Man veut dire donner. Man veut dire être bon. Et man aussi veut dire faire faveur. Troisième parmi ce bande signification, chers frères et sœurs. Walman al-Qatra. Qatara. Qatara veut dire couper, arrêter. Qatara veut dire couper, diminuer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Fussilat ayat numéro 8, Inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Get man côté.
Reirou Mamnoun. Qui veut dire Reirou Mamnoun? Man veut dire ça, faut pas arrêter là. Ici, man qui veut dire couper. Reirou Mamnoun. Reir veut dire négation. Il n'y a pas pour arrêter ça. Veut dire récompense là, dit Mouna, continue gagner. Mazin ça trois là. N, li être bon. Et li fait faveur. Deuxième, man veut dire donner. Troisième, man veut dire li pas diminuer, couper. Veut dire li pas pour faire ça. Reirou Mamnoun, li pas couper, li pas diminuer. Et quatrième parmi ces significations, chers frères et sœurs, c'est faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait l'obani Israël, que Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans suratul Baqara ayat 57, wa zalna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-man. Al-man veut dire quelque chose qui doux. Al-man, un quelque chose qui hulwa. Veut dire un quelque chose qui doux. Ça manger là, Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux descendre ça, l'eau l'échelle. Pour Bani Israël, l'époque Moussa alayhi salam. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est le moman. Quatrième signification qui y est là. Mais ça, nous amène quatrième en dernier qui fait, parce qu'il n'est pas pour venir directement avec la qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala est là. Mais seulement le moman, il veut dire d'où. Quatre significations. Là-dedans, trois avec nous. Un, c'est être bon, faveur. Deuxième, c'est qu'on peut dire nous, man, donner. Troisième, c'est diminuer, couper. Et quatrième, ça qui apporte, le moment veut dire une petite chose qui doux. Parmi les questions qui viennent, chers frères et sœurs, comment nous connaît, et alhamdoulilah, plusieurs fois nous finissons prendre les, comment nous connaît, ça nous l'a dit, un parmi les noms, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous avons des hadiths, Anas, radiallahu an, quand sa sahaba l'a fait droit, comment il dit, كنتم جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد متشاسبيسي avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans masjid ورجل يصلي فقال اللهم اني اسالك بان لك الحمد والله me demande toi بان لك الحمد parce que pour toi tout éloge la ilaha illa anta al hannan al mannan pena aucun ilah excepté toi c'est toi même al hannan et c'est toi même Al-Mannan. À la fin des hadiths là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Dar Allah bi ismihi al-Azam. Li fin fait demande, li fin demande Allah subhanahu wa ta'ala, li fin invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ce ban plus grand nom. Pour qui nous invoque li répond, pour qui nous demande li donner. Dans tout ce ban nom là, qui nous qui mentionné, chers frères et sœurs, Al-Hannan et Kal-Mannan. Quand nous dit Alhamdulillah, en trois occasions nous fin passe. Le sahadith là, mais ça qui est avec nous, c'est sahadith qui trouve dans Sahih Muslim là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui Al-Mannan li parmi bannon qui plus grand de bannon Allah subhanahu wa ta'ala, bannon qui quand demande à travers sa nom là, li Allah subhanahu wa ta'ala li répond. Mon connaît sa signification dans le langage arabe. Mon connaît depuis parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un. Parmi ce ban, c'est un parmi ce ban nom. Comment est-ce qu'il m'a besoin de comprendre en tant qu'un nom Allah? En tant qu'un nom Allah, subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, Imam al-Khitabi, rahimahullah, lui dit Wa amma al-mannan, fa huwa kathirul ata. Kathir. Kathir veut dire beaucoup, ata, donner. Veut dire, il donne beaucoup, lui. Al-mannan, comment est-ce qu'il m'a besoin de comprendre en tant qu'un nom Allah? C'est un qui donne beaucoup. Pareil comme ça même, chers frères et sœurs, nous trouvons Imam al-Hulaymi, rahimahullah, lui dit « Wa huwa azimul mawahib, wahaba, waw, alif, waw, he, be, wahaba » veut dire « donner ». C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Ahzab « Wahaba li man yasha'u inatha, wa yahabu li man yasha'u dhukura » Ça qui lili oule li donne tifi, ça qui lili oule li donne garçon. Al-Wahib, il veut dire, c'est lui qui donne beaucoup. Mais nous arrêtons la même. Chers frères et sœurs, quand nous regardons en tant qu'un nom Allah, nous vous trouvons première signification, c'est quoi? Lui être bon. Ajoute-lui en sa master. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Parmi son nom, c'est Al-Mannan. Man veut dire, il peut donner même lui. Lui donne beaucoup. Mais seulement, dans le langage arabe, sa signification, lui vient et lui fait faveur. Qui fait sa faveur la vie en cours là-dedans? Qui l'y fait? Nous prenons un exemple pour nous comprendre. Ensuite, Walillah il matalul arla, et pour Allah plus grand l'exemple. Chef frère, c'est mon content, sa frère là, je connais dans la difficulté, mon assène machine lavée, neuf mon donné.
Les qui est content mon ancien Marcin avait néfrononi. Bon pas bon. Bon, je tout vous demande bon. Mais seulement les vous en rôde électricien là oui non. Les vous en rôde plombier oui non. Ensuite la fin du mois, c'est la lumière qui va arriver. Comme on donne ça, li bon, mais seulement pour d'hier, il n'a pas d'implication qui vous n'est capable d'une difficulté le lit oui non. Pourtant on donne. Pourtant on donne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, quand il donne, se donner pas venir comme ça. Se donner pas venir fort de pour. Non. Nous prenons un seul exemple. Chers frères et sœurs, nous tous qui là nous d'accord, celui qui donne nous manger, c'est Al-Razak. C'est toi ou Allah. Mais Al-Razak, depuis Al-Mannan, lui-même ça. Donc il fait sa faveur là, nous, oui, non. Il donne nous manger, boire. Imagine-nous, sa robe là, tu donne nous juste manger, boire. Il n'a pas fait nous à la toilette. Ça qui nous le pas pour servir. Qui arrive nous? Imagine-nous, tu juste manger, boire. Des ans, on va sauter. Que des ans, une semaine. Qui arrive nous un seul coup? Mais seulement, sa robe là, quand il donne. Sauf avec qu'il y fait, quand il donne une petite chose, si arrivé ça pour toi du tout, mais ça t'oblige éloigne-toi avec lui à l'os. Ça va être toi pour servir. Tout comme ça. Ça, Al-Mannan. Quand il donne, chef frère, il n'est pas pour de nous une façon qui, ça, à la longue, vient un tracas, vient un fardeau. Non. Il est pour de nous quand c'est qui est besoin, qui ça. Et en plus de ça, si Jimmy arrive une petite chose, ou faut capable de débarrasser lui. Ça, c'est Allah. Pour une minute, vision sa dimoun qui de l'hôpital et n'en la sonore li là. Connais que ça? Il n'en la sonore li. Li médecin en badra qui fait. Parce qu'il y a mis comment ils sont li halé là. Pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, mon vive l'eau la terre Allah. Comme au bois, mon en toilette, mon trouve li normal. Normal ça, mais qui n'a vie? Naturel. Mais là-bas qui n'a vie, tout naturel, il n'a arrêté un coup. Qui fait chef prière? Parce qu'il y a un quand tu payes de moi, je ne pas un récit trouvé. Ou alors c'est une faveur ça. Qui est-ce qui faveur là? Pas ça qui te paye donner là, mais ça qui m'a retiré là. C'est une faveur. C'est une faveur. Donc, chef prière, c'est de là qu'il nous peut comprendre. Al-Mannan, oui, il veut dire un qui donne. Mais en même temps, quand il donne, s'il y a quelque chose qui va observer là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir faire tout, afin que ce croyant-là n'ait pas souffert avec ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. L'effet qui ça fait le mot iman, comme on connaît, parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Mannan, en, c'est le nom d'Allah. Et en nous, Allah, que ça nous gagne, lui, depuis sa qualité. Un nom Allah nous gagne depuis sa qualité. En d'autres mots, l'idée Allah subhanahu wa ta'ala pour lui donner, chers frères. L'idée lit ça. L'idée lit pour lui donner, pour signification de langage arabe. Pour lui donner, être bon, lui donner une faveur. Al-Ratouya, lui donner. Ensuite, troisième qui nous dit, Rairu Mamnoun, lui pas coupé. En d'autres mots, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala capable de nous. Saken, ça qui l'a au là, ça qui l'a bise 24-7. Ça ne va pas diminuer de ça qui est là. Nous redialis. Comme on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, son nom c'est Al-Mannan. Man dérivé du mot coupé. Veut dire sa robe là capable de moi. Il est capable de donner tout ça qui m'a bise sans que ça diminue de ça qui est là. Comme on récit comprend, oh Allah, tu as sa qualité là dans toi. Qui qualité? Al-Mannan. Get Allah subhanahu wa ta'ala kuma décrit li astir. De surah 14, surah Ibrahim, à partir ayat 32. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Il commence là. L'échelle, la terre. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Ça qui peut tomber de là. Qui fait l'infer ça? Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Depuis ça, il fait ban. Samarot, ban fruit, ban nourriture, comme un risque pour eux. Wa sakhara lakum al-fulka tajri fi al-bahri bi amri. Sa bateau là, puis aller dans la mer, pour se l'eau. Wa sakhara lakum al-anhar. Là, nous, dans la nuit, il fait ban la rivière. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait, veut dire, ensemble avec la mer, il amène ban la rivière pour te continuer de ban faveur. Wa sakhara lakum al-shamsa wal-qamara da'ibain. Il fait faire soleil. Il fait aller sur l'orbite, il fait la lune, wa sakhara lakum al-layla wa an-nahar, et il fait la nuit, il fait les jours. Il peut venir même là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, chers frères et sœurs,
Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Et il vous donne tout ça qu'ils ont demandé. Et il vous donne tout ça qu'il fin, tout ça qu'ils ont demandé. Min kulli, kul, kul veut dire tout, chaque. Juste après qu'il dit wa in taruddu ni'matallah la tuhsuha. Si tu essaies compte faveur Allah, tu pas pour arriver le nombre. Tu pas pour arriver le nombre. Chers frères et sœurs, chacun parmi nous essaye guide. Prends depuis mon brin cerveau jusqu'à mon pouce les pieds. Qui quitte chose qui m'ont gagné pour moi veut dire m'ont mérité ça. M'ont mérité ça. Personne va tout comme empêche-moi. Est-ce qu'il y a une quitte chose là? Est-ce qu'il y a une quitte chose? Quand nous guette alentour de nous, comme il y a dit mon ena dans ma famille, comme il y a dit mon ena dans ma famille, je tout en une faveur peut profiter avec bonne faveur Allah oui non. Quand nous étions chez frère. Si nous payons 10 dans nos familles, là, ben dans ça le monde là, combien de choses Allah peut donner tout ça dans le monde qui existe là. Dans ça le monde là, combien de choses Allah peut donner tout ça qui existe dans ça le monde là. Qui a été donné à l'os? Il y en a qui pourraient connaître lui, il y en a pas pour reconnaître lui. Il y en a pour être obéissant, il y en a pour faire shirk. Ça c'est une autre chose. Mais get lui en tant qui sa kafir là quand il gagne quelque chose. Qui nous donne ça? C'est Al-Mannan. C'est Al-Mannan. C'est ça qu'il peut dire. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si tu essaies compte faveur Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas pas pour arriver là le nombre. Parmi les faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait nous, chers frères et sœurs, c'est quand nous guettons sur la 3, sur l'Imran, ayat 164, laqad mannallahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala fin fait un man, un faveur. Qui a été faveur? Great favor. Un grand favor, ça. Qui vient faire comme ça? Les filles envoient sa prophète là vers nous. Les filles envoient en la personne de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand favor, chers frères. Reconnaître qu'on peut dire à nous, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme moi, je suis la case, mon travail, mon transport, mes enfants, sur le résultat, soit là, je vais dire favor à Allah, au moins, comme au temps de Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi pareil. C'est un faveur Allah le nous. C'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala le nous. Donc, chers frères et sœurs, Al-Mannan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Man, ni fin servili, dans sa ayat là, pour faire nous connaître, parmi ban faveur, parmi ban faveur, qui li fin faire le nous. Mais seulement, qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit? La yadkhulu al-jannata mannan. Un mannan pas prendre de Jannah. Al-Mannan, Allah subhanahu wa ta'ala son nom. C'est lui qui donne, lui être bon, lui faire faveur, lui pas pouvoir arrêter de donner. Lui même montre nous dans surah 3, alias 164, lui fait un man le nous, faveur le nous, et comme ça dans surah Ibrahim, comme il faveur le nous, il fait le nous. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, lui pas prendre de Jannah. Mannan. La question qui posait, c'est comment ça? Comment ça? C'est parce que Mannan, signification le nom Allah subhanahu wa ta'ala, et Mannan, qui vient depuis un insan, c'est des différents mots. Des différents mots. Écrit à lui pareil, mais seulement cette signification, lui différent. Hadith à clair. Là, il y a trop le jannat à Mannan. Il n'y a pas de jannat à Mannan. Tu as quelqu'un qui dit Allah subhanahu wa ta'ala mannan, moi ici, je fais ça, je viens de mannan. Oui, tu peux venir Abdul Mannan. Mais seulement sa mannan qui peut dire, parent de Jannala, c'est quand nous guettons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous de ce hadith là, Thalathatun. La yukallimuhumullahu yawm al-qiyama, wa la yuzakihim, wa lahum azabun alim. Trois catégories d'immun. Qui joue Qiyama Allah, pas pour cause avec eux, pas pour purifier eux, et pour préparer une punition douloureuse pour eux. Au fait, pas juste trois catégories du monde, il y en a plusieurs, ça. Mais seulement le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs occasions, les fins cite certaines. Et ici, ça qui est avec nous, les fins cite, un là-dedans, quand il commence, il dit Al-Musbil. Un qui ken qui pour l'arrogance, il fait solence, traîner, point de miché. Deuxième, il dit Mannan. Encore. Là-bas, il n'y a pas de Jannat. Il y a assez fou, là.
Ici, jour Qiyama, Allah pas pour même guetli. Et pourtant, maintenant, je vais vous donner. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour purifier lui. Allah subhanahu wa ta'ala prépare une punition pour lui. Qui s'en a? Un mannan. Et troisième, un qui fait serment le manchot pour lui vendre sur l'autique. Ça, vous verrez le discours. Allez, prends-le. Non, il ne va pas gagner l'eau là. Non, il ne va pas gagner l'eau là. Non, il ne va pas gagner l'eau là. Depuis que tu avais travaillé cadeau. Combien comme ça? Pépé est GM là, pépé. Mais ça, qui vous fait? Allez, prends-le. Qui fait de vous dire? Ah. Qui vous peut dire ça depuis que tu connais combien de monde vendre? Combien de chiffres là? Nous, c'est pas vraiment un bon l'autique. Combien on vendait comme ça depuis grand matin? Allah t'a dit, non, il n'y a pas gagné l'eau à l'article là. Là, tu ne pousses pas l'antiquité. Parce que tu ne fais serment. Tu ne prends Allah comme témoin. Le fait qu'il te prend Allah comme témoin, tu rentres dans sa catégorie là, c'est ça, c'est un mensonge. Tu rentres dans sa catégorie là. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est Al-Mannan. Comment se fait-il? Il n'y a pas pour rentrer dans Janna et il n'y a pas pour punition, Allah n'a pas pour cause avec lui, etc. Mannan veut dire donner, mais seulement quand nous finissons dire, chers frères et sœurs, il y a une différence entre Mannan qui, non Allah subhanahu wa ta'ala, et Mannan qui, insan, et nous gagne l'éclair. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Au ban qui n'a iman, pas annule tout sadaqa. Bil man. Man qui veut dire, chers frères et sœurs, man c'est quand un dimoun lui donne une petite chose, lui reproche. Ça, tu as dit comme ça là, tu dis un dimoun et tu dis, parce que salam n'est pas fait à moi. Qui t'en a le faire? Qui t'en a le faire? Qui fait une misère à sa bout là? Si nous guettons l'action, ça qui Allah subhanahu wa ta'ala peut citer ici, sadaqa. Sadaqa, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître à la fin sur la munafiqoun. Quand un dimoun le solide l'amo, il dit Rabbi laoula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ou Allah, si tu retardes moi un petit guide, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il vit là. Il dit moi un petit délai pour y aller faire quoi? Pour y aller donner sadaqa. Veut dire c'est une action qui n'a valeur dans sa dîna, oui non? Iblis pas pour presser lui. Iblis pas pour presser lui. Ça dépend ce qu'il m'a donné dans ma zid là, dans ma drasa là. Il pas pour presser lui. Je demande au comité seulement. Allez, ok. Ou les 5 premières années, je fais président? L'État arrive le 7e l'année. Élection. Élection prêt là. Qui arrive moi? Moi Dieu. L'État me sorti, moi tranquille. Moi le faire connaître. Zodi, je te mets moi Dieu. Hein? Combien de donner de sang? Qui vous faire vaille? Vous pouvez annuler tout. Vous pouvez annuler tout. Pour causer. Bil manni. Man veut dire, me reprocher, me dire. L'action qui m'a fait, ça d'accord qui m'a fait. Qui m'a fini donner. C'est à partir de là nous reprenons l'yastir. Là, il y a trop le djannata al-mannan. Il n'est pas pour rentrer dans le djannata al-mannan. Qui s'en a ça? C'est un qui quand il donne un qui tchou, chers frères, c'est lui, il reproche. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça trois catégories d'imoun qui pas pour rentrer, qui jour qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour cause avec eux, pas pour même guet eux, pas pour purifier eux et pour préparer un punition pour eux. C'est qui s'en a deuxième là? C'est un mannan, c'est un qui quand il donne lui. L'y reprocher. Et un point pour nous terminer. L'eau s'en nous, chers frères et sœurs, zis pour qui, un qui ken, attention, il y a le croix, il y a une petite chose léger ça. Qui quelque chose? Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, tubtilou, batala. Batala veut dire annuler. Attention, nous peut croire, Allah peut badiner avec nous. Get dans l'époque, ban sahaba. Get qui Allah subhanahu wa ta'ala dit avec ce ban sahaba. Ya ayyuhalladhina amanu, la tafaru aswatakum, faqa sortin nabi. Au ban qui n'a iman, pas élève la voix. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa la tacharou lahu bil qawl. Kadjah li barde kum li barde. Pas crier li, comment dire, tu peux crier ban les autres. Parce que ça joue là, ban les autres. Mohammed! Pas fait ça. Qui fait? Antah bata armalukum wa antum la tachouroun. Attention, Allah n'est anil tout ban action. Tu pas même connaît. Vous connaissez cet ayat là, l'oxan fin de sana? Quand l'ayat descend, oui, il descend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en premier, il adresse avec ban sahaba. Ensuite, il vient vers ce umma. C'est avec ban sahaba qu'Allah peut dire à eux, attention, eux, ban action à annuler. Mais Azot dit pour nous qui arrivons à l'os. Sécurité là, leader, safety box là-bas là. Est-ce qu'il y a une action de safety box qui peut être annulé? Mais non. Donc, être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à nous, protège-nous ban action, surtout ban sadaqa. Pas les sitom d'un man, veut dire reprocher ça qui te vient faire, parce que ça c'est une action qui peut annuler sadaqa qui te vient
qui te vient faire. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est Al-Mannan. C'est un parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Un, c'est lui qui donne. Lui donne avec faveur. Lui est bon. Veut dire, lui pas pour donner une petite chose qui vous fait où. Il y a une difficulté qui peut faire des problèmes. Et ensuite, comment nous finissons trouver que Allah subhanahu wa ta'ala finit faire beaucoup faveur à nous, qu'il y soit de nous la vie tous les jours, qu'il y soit même pour sa iman, qu'il y finit choisir, qu'il finit de nous là. Nous terminons là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire La yadkhulul jannata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous n'êtes pas pour rentrer dans la jannah aussi longtemps que vous n'êtes pas dans l'iman. Sa djanna qui Allah subhanahu wa ta'ala fin arrangé, ça qui lige jamais trouvé, ça qui oreilles jamais entendu, ça qui pas fin passe l'eau, les qui est d'immun, quand il arrange ça, chef frère, prends-y bien sa ken parmi nous, sa robe là fin oule nous rentre là-dedans, pour l'in choisir nous, nous dans l'iman. L'in nous les trouve nous là-dedans. Mais qui plus grand faveur qui ça? Qui plus grand faveur qui ça? Quand mon papa peut lancer un business, peut arranger un magasin, c'est juste l'in diamant ça. Bon, tu connais papa, vous pouvez contrôler, peut faire pour toi, ça, hein? C'est mon papa là. Il fait un travail, il veut lancer un travail. Il finit de moi, il veut faire pour moi. Qui garde mon content? Chef de ce magasin, qui apprend du fait. Business là, qui n'a pas amorcé. Ou bien plus encore, mon grand mot. Mais seulement, ça djanna là. Quand ce créateur, il arrange lui. Il met une condition pour rentrer là-dedans. Condition là, il choisit nous pour y aller, chef de ce. C'est qui condition? C'est ça, iman. C'est une faveur depuis Al-Mannan, oui, non? Excepté c'est parmi les plus grands faveurs qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire l'eau. Chers frères et sœurs, parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionnait de hadith, et non pas de ban ayat Quran, c'est le nom Al-Hayyu. Attention, guette-le bien. Aliflam. Hé, Jim Sofrir. Yé, suivi d'un autre yé. Si nous tirons sa dernière yé là, l'ivine al-hay. Al-hay veut dire le vivant. Et le vivant, al-hayyul qayyum. C'est pas sa nom là. C'est pas al-hay, al-hayyul qayyum. Non. Et d'un autre yé qui vini, c'est pas une erreur là. Dans al-qabit, nous tu fais une erreur. Dans la place d'ordre, nous venons mettre ta. Ici, nous, alhamdoulilah, l'ibon là. Al-hayyiyu. Hé, yé, yé, le tout l'aide yé et na chadda. Le tout l'aide. Le tout l'aide yé et na chadda. C'est pour ça qu'il nous lie à l'idée fois al-hayyiyu. C'est un parmi ben non. Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, au fait que nous guettons l'yastère, comment nous fait apprendre alhamdulillah et à chaque fois, ce trois lettres radicales, ce nom-là, est là pour là-dedans, quand nous tirons aliflam. Yé et na déyé. Parce qu'il y a une chadda là, et na ko déyé. Et na quatre yé là-dedans. Au fait, ce lettre radical saisit hé, yé seulement. Quand nous retournons dans le langage arabe, nous venons dictionnaire arabe, nous guettons qui veut dire al-hayyé, min al-hayya. C'est beaucoup plus facile. Min al-hayya. Hayya qui veut dire la honte. Ça nous l'a. L'idée arrivée, chers frères et sœurs, depuis la honte. Quand nous dit Rajulun Hayyun, quand nous dit Rajulun Hayyun, Zu Haya, veut dire un djimoun qui hayyi, c'est un djimoun, c'est un qui est dans la honte. Al-Hayyun, c'est un nom Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dérivé de qui mot? Al-Haya. Al-Haya qui veut dire la honte. Quand nous dit Rajulun Zu Hayyun, veut dire un djimoun qui est dans un djimoun qui est dans la honte. Chers frères et sœurs, ça dans le langage arabe. Ça nous l'a dit dérivé de haya qui veut dire la honte. En premier, nous guettons comment nous connaissons. Ça, c'est un nom Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Salman radiallahu an, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyiyun. Inna deyila karimun. يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, certes, notre robe, lui honte et généreux. Lui honte de ce serviteur quand il lève son lame vers lui pour lui retourner sa délame là, vide.
Quand une personne fin lève la main pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, sa robe là honte pour retourner sur de la main vide. Si nous prenons lui depuis la même, nous attachons lui avec le nom Al-Mannan. Al-Mannan veut dire quelqu'un qui a donné. Il a donné 24/7. C'est pas diminué. Un qui donne comme ça, l'étant il trouve sa pauvre serviteur, il lève la main et demande, il n'a pas donné. Chers frères et sœurs, dans ce hadith, ce qu'il nous trouvait, c'est quoi? C'est Inna Rabbakum. Certainement, votre Rabb, Hayyun, Karimun. Des noms Allah. Mais ce qui est avec nous, c'est quoi? C'est le nom Hayyun. Hayyé avec un deuxième yé. Rapporté par Waqid, Allah radiallahu anhu. Au fait, hadith là, les longs, nous venons direct avec cette traduction et m'expliquer du jour. Hadith là dit comme suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis assisté dans le masjid avec son compagnon. Trois personnes rentrées. Dans ces trois personnes là, quand je rentre, chers frères et sœurs, veut dire je trouve un sahaba puis assisté là. Je te coste, je guette la situation. Elle n'a vieille les deux y aller. L'autre de là continue vini. Quand l'autre continue vini, elle n'a l'autre ici de 20 places, elle rentre. Quand nous dit, elle assise, c'est serré. Deuxième là, assise de y aller cachette. Il n'y a pas de cachette le prophète, lui. Mais seulement, elle n'est assise de y premier là. Trois dimons rentrés, lorsque sallallahu alayhi wa sallam, puis assise avec son compagnon. Elle n'a l'autre vieille les deux y aller. Dès la continue rentrée, elle n'a rien placé assise, déjà elle est assise de Yéli. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit, il dit avec son compagnon, vous êtes connus ça trois là? Vous faites une action qui est arrivée là? Mon sahaba, regardez. Dès là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il ne m'a pas fait, vous êtes connus ça trois dimoun là? Il dit, en là, il vini vers Allah, Allah fin vini vers lui. Veut dire, il vini, il peut assister oui non? Il n'a place pour y assister oui non? C'est ça que le prophète peut dire. Comment nous dire, il met la tête devant l'inalé. Il reste qu'il est sur place, oui non? Il est sur place. Il continue à lui dire, déjà là, il est honté. Allah finit honté de lui. Il est honté parce qu'il va pas va dire, il est devant. Il assiste derrière son camarade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Fayastahillahu minhu. Allah subhanahu wa ta'ala honté avec lui. Troisième là, il vient les deux aller. Allah finit vient les deux avec lui. Littéralement, il est comme ça, vient les deux. De hadith là, mentionné comme ça, littéralement. Veut dire, il vient les deux? Ok, nous viennent les deux. Nous viennent les deux. De cause, il ne s'en pas dire, ça m'en vient les deux, on dit ça. Mais pourtant, on peut dire en face. Littéralement, de hadith là, il traduit comme ça. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est sa trois dimouna. En là, il vient les deux, il n'y deuxième, des trois. Je ne continue vini, en là, on a une place à assise, déjà, on est assise à Yali. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam, le temps, il explique ça. Ça qui est avec nous, c'est deuxième là. Ce qui est avec nous, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est deuxième là, de ce hadith-là, c'est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa ammal akharu fastahya fastahya Allahu min » Quand tu as deuxième là, l'inhonté, Allah finit honté avec lui. « Fastahya Allahu min » Allah finit honté avec lui. Donc, depuis ce hadith-là, est-ce que c'est une qualité qui Allah en a dans lui? Sans aucun doute, chers frères. Sans aucun doute. Faut pas nous dire, mais vous pouvez dire ça. Mais pas moi qui peux dire ça. Hadith. Hein? C'est lui qui vient pour enseigner nous, nous dit, c'est lui qui peut dire nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand ça dit mouna fin honte, Allah subhanahu wa ta'ala fin honte avec lui. Quand nous guettons lui en tant qu'il y a un nom Allah, quand nous guettons ban savant, comment explique al-hayyu, le honte, comment est-ce qu'ils ont expliqué ça en tant qu'un nom Allah? Je dis, Ey Kathirul Haya, Al-Mubarak Furi, Rahimahullah, il dit, c'est lui qui a beaucoup la honte. C'est lui qui a beaucoup la honte. Qui s'en a? Allah. Ou imaginez, où il y a un robe. Chers frères et sœurs, il y a sa bonne qualité là dans lui. Il y a sa bonne qualité là dans lui. Veut dire vraiment qui a été sa robe là, il complète. Qui a été à la perfection? Il est en colère, il est puni, il est pardonné, il est guidé. Malgré d'autres qualités, il y a une qualité qui la honte. Il est honte. Nous continuons, chers frères et sœurs, quand nous sommes des savants, quand je t'explique ça, nous là, veut dire moi, en tant que celui qui est dans l'iman, l'effet qui s'affaire le moi, comment je vis avec lui, c'est le nom d'Allah.
Donc c'est un parmi ce bonne qualité. Le fait qu'il al-hayyu, les formes parmi nous Allah, que nous gagnons Allah, de ce bonne qualité. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa qualité là dans lui, oui non. Il a sa qualité là dans lui. Mais seulement sans qu'il nous donne l'exemple. Sans qu'il nous donne l'exemple. Il ne faudrait pas nous penser la honte qui nous, insan, nous est là, mais Allah est comme ça. Jamais. Ça, première question qui nous imagine. Quand nous apprenons concernant la qualité d'Allah, chers frères et sœurs, jamais nous comparons avec ce qui nous, insan, nous est là. Pas dire, mais Allah, on te moi ici, on te mais alors, tu as compris pour toi avec pour Allah. Nous prenons un exemple. La connaissance. Combien de monde y a connaît? Ça me connaît, ça. Ok. Mais première question qui nous pose, toi, quand tu sautes devant ton maman, est-ce que tu déjà connais ça? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala fin tiennou devant nous maman et nous batikon? Nous batikon non rien. Mais Allah, tous les temps, il déjà connaît, oui non? Deuxième, mon père dit, je connais. Mais seulement mon connaissance, les limiter, oui non? Est-ce qu'Allah, sa connaissance est limitée, chers frères? Quand on arrive dans forme 3, forme option vini, oui non? Oui, parce que vous êtes choisi que vous le faire forme 4. Non, on connaît moi, on vient prendre science, on fait comptabilité, on fait business, on fait graphique, on fait design, on fait tout. Maintenant, vous voyez, vous direct? Comment vous faites tout? Nous donnons ça parce qu'il y a une seule filière qui est capable. Qui ne pourra pas prendre ça qui vous peut dire là, il est impossible, qui vous peut faire tout. Mais seulement, malgré comme vous pouvez faire science, est-ce qu'il me connaît comptabilité? Oui, je connais crédit, je ne connais rien dans la ligne d'Afrique, corrigement. Nous mettons la ligne au milieu, débit, crédit, nous faisons une balance sheet, comme ça. Oui, mais c'est, est-ce qu'il me connaît? Parce que mon côté science, mais il restait Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout, oui, non, j'ai vrai. Allah subhanahu wa ta'ala kundu. Et plus grand l'exemple pour amener nous à réfléchir quand nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance de tout qui chose de en nous alayhi salam de surah Hud kullama marra alayhi mala'un min qawmi sakhiru min. À chaque fois qu'un jimoun de ce peuple passe côté lui t'as nous de bien dans un bateau le désir chaque fois kullama à chaque fois. Qui vous dit? Chers frères et sœurs, ce bateau qui nous, alayhi salam, a rangé sa joue là. Quand sa lapli là tombé, quand sa délo là sorti, que ça qui reste vivant, c'est ça qui tire sa bateau là. Mais qui a été bateau qui a rangé à l'os? Costa qui costa coulé? Qui a été bateau qui a rangé au nous, alayhi salam? C'est pas ça la question. La question c'est quoi? Au nous, est-ce qu'il est déjà à l'école navale? Pour apprendre comment arranger un bateau. Nous, avec toute facilité internet qui nous est là, nous écrire How to build a ship, je ne sais pas quoi. Qui vous dit, nous mettre la main là-dedans là? Fais-nous. Oh, nous, mais comment tu apprends comment arranger un bateau, toi? Connaissance ça que ça qui nous donne, chef, frère. Connaissance ça que ça nous donne. Déjà, un exemple. Il prend naissance dans la case. Je tout à lui. Il rentre dans une puits. Il saute d'un puits, il rentre dans la case. Il est blâmé, il rentre dans la prison. Dans la prison, quand les rois ils font rêve, il dit amène-moi avec les rois, là, moi explique-le. Quand il explique les rois, rêve là, il dit Alni rala khaza inil ord, inni hafizun alim. Il dit fais-moi vine, c'est lui qui peut guider ça là. C'est lui qui peut veiller là. Fais-moi vine ça. Certainement, mon hafizun alim, mon hafiz, mon kontu. Hafiz, veut dire que je suis capable de protéger et Alim, je suis connaissance là. Qui a été certitude là? Vous connaissez qui peut le faire là? Maurice, comment dire que vous avez un grand enzotier pour prendre un bidet comme la nuit, il n'a pas dormi? Maurice, un point là, je m'appelle le monde. Là-bas, Youssouf, alayhi salam, peut demander pour diriger les zip. Combien Maurice a besoin de faire des zip? Et il n'a pas dirigé les zip là pour un an là. 7 ans. Le peuple a gagné manger, il a ramassé. Prochain 7 ans, il donne zot et il donne la ville avoisinante. La question qui nous posait, oh Youssouf, quand tu fais business management, quand tu as un certificat là, dans la prison, tu veux faire crash course là-bas, qui ça? Quand on retourne dans la surah Youssouf, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, mastawa, atteinahu hukman wa ilma. Et quand il finit arrive à l'âge là,
Allah qui donne Hukman. La sagesse, wa ilma, Allah donne la connaissance. Quelle connaissance? Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout, oui non? Il connaît tout, chers frères. Pourtant, on peut dire qu'on connaît, mais seulement on peut comprendre la connaissance avec Allah, sa connaissance. Mais qu'on peut dire où Allah a sa qualité de la honte là dans lui. Est-ce qu'il peut comprendre pour moi avec pour lui? Zami, chers frères. Zami, une personne pour capable de comprendre de sa façon là. Nous continuons pour nous dire. Beaucoup savants ont mis une qualité la honte pour attacher avec une autre qualité. Oui, dans un hadith qui cite Allah subhanahu wa ta'ala, les hontés ont mis ensemble avec une autre signification. À l'exemple, hadith qui dit Allah honté pour retourner la maison serviteur vite. Al-Hulaym il dit wa ma'nahu annahu yukrihu, il dit Allah détesté. Veut dire ça la honte là, fait pas ou les retourne sa la maison vide. Il détestait ça quelque chose là. En d'autres mots, ensemble avec la honte là, Rabb là a mis une autre qualité encore. Ça la honte qui Allah subhanahu wa ta'ala inala fait lui pas content ça quelque chose là. Qui lui pas content? Lui pas content quand ce serviteur lève la main pour demander pour lui retourner sa la main là vide. Pareil comme ça même, Imam al-Bayhaqi rahimahullah lui dit fastahya fastahya Allah minhu. Allah subhanahu lui fin gain honte, Allah subhanahu wa ta'ala fin honte avec lui, veut dire Allah fin permettre lui. Qui ne permettre lui? Question posée, mais qui a l'un permettre lui? L'une rentrée, l'inassise premier là, déjà là, inassise alors yé li. Chers frères et sœurs, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître qui, de ban majlis, veut dire ban place qui peut assiser, peut mentionner nous Allah, ban ange vini englobe sa ban place là. Sa ban certitude qui nous besoin, et n'a de n'importe qui place, depuis n'importe qui ça n'a nous péché sa connaissance. Ban ange vini englobe sa place là, ensuite quand je finis, je retourne côté Allah. Quand je dis, oh Allah, certainement nous sommes, malgré qu'il y a Allah comme tout, là-dedans, un ange dit, oh Allah, tu es un tel. Un dimoun. L'invini, pas pour y apprendre, ni. Mais c'est moi qui viens de dimoun de l'assemblée, là. Il vient de qui qu'elle n'a li. Il pas venu pour y apprendre, ni. Hein? Mais seulement, ça va, il a dit, comment tu es, mon leçon, samedi, vendredi, 10h pour là, vous venez. Bon, 10h moins 5, il rentre demain, il dit à 6h, parce que je me connais, il y a encore 10h pour finir, là. Qui fait l'invini? La cause, il vient de dimoun. Oh Allah, ben, qui nous fait? Nous pardon, fait ici, pardon? Donne ici, ça va nous faire faire qui tu peux apprendre à gagner? Allah subhanahu wa ta'ala dit, tel qu'a dit ça, là, il y a ce que j'ai dit ça. Ça va nous groupe d'immuns là, ban qui assise ensemble avec eux. Papi a dit ça. Papi a dit ça. Veut dire, même l'in, on te l'in assise à l'oeil. Compte-lui comment j'ai dit devant, devant. Compte-lui. Ça qui Imam al-Bayhaqi le dit, Allah fin permettre lui. Veut dire, compte-lui pour lui, ban qui devant. Même l'in, on te l'in. Il reste à l'oeil, Rabb la côte compte lui. Il compte dit, comment dire, il n'est pas? Comment dire, il n'est pas devant? Et pareil comme ça même, Imam al-Nawawi, il dit, Rahimahu, walam yu'adhibhu. Au fait que Allah honte avec un djimoun, Allah subhanahu wa ta'ala gagne pitié pour lui. Nous continuons avant de terminer, chers frères et sœurs, quand nous connaissons qui Allah subhanahu wa ta'ala est dans sa qualité là, c'est pareil comme quand il dit, Allah joli, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est joli et il est content? Bonne jolie petite chose. Donc si Allah a sa qualité là dans lui, qui attend pour nous non? Pour nous sa qualité là dans nous. Qui qualité? C'est qualité de la honte. Et c'est pour ça que nous trouvons les formes parties dans l'iman. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-imanu bid'un wa situna shu'ba. Bid'un wa situna veut dire 63 à 69 parties par. Wal-haya ou shu'batu min al-iman. La honte est forme partie de l'iman. Donc, amène-nous pour nous comprendre sa qualité, sa nom qui Allah inala, c'est une qualité de ta robe. Donc, toi, créature, toi, insan, développe sa qualité-là dans toi. Parce qu'il y a une partie de ton iman, déjà, c'est une chose qui Allah subhanahu wa ta'ala content. Une fois dans Madina, ben sahaba, tu peux basiner avec un autre sahaba. La cause, tu peux trop honter. Oui. Parce que nous, dans nos sociétés, comme un garçon honté, ah, il y a ça, il y a honte, il y a des filles. C'est ça que je veux dire. Quand on a pu badiner avec sa sahaba, la cause, il est trop honté, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Darhu, fa inna al-haya ou min al-iman. Il dit à l'autre, laisse-y tranquille. Laisse-y tranquille, car certainement la honte forme partie de l'iman. Veut dire que c'est une partie de son iman qui se périllait là. Laisse-y tranquille. Laisse-y. Darhu, veut dire quitte-le. Et l'autre ligne de nous autres là, quitte-le. Nous autres la cause de honte, la cause d'un petit garçon. Zami. Parce que ça, la honte là, il faut une partie de
Ils font partie dans l'Iman. Et avant de terminer, des derniers points, chers frères et sœurs, c'est plus grand la honte, c'est quoi? C'est la honte depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit à nous dans surah Yunus, ayat 61, « Wa ma takounu fi sha'ni wa ma tatou minhu min Qur'anin wa la ta'amalouna min amalin illa kunna alaykum shuhuda. » Peine à aucun action qui te peut faire et surtout à la fin wala ta'maluna min amal, peine aucune action qui te peut faire excepté qui nous en témoin de ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat là il continue il dit wa ma yarzubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asghar min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Peine en la grain atome qu'il soit dans l'échelle d'un l'eau la terre, ou bien plus petit qui ça encore, ou bien plus grand qui ça, excepté qu'Allah lit notre tout. Excepté qu'Allah lit notre tout. Donc, ça croyant là, les bizins là. Les bizins là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une fois il fait cause avec son compagnon, il dit comme ça, istahyu min Allahi haqqal haya. Et là, la honte pour Allah, une vraie la honte. Ben Sahaba a demandé, je dis, qu'on a. Inna nastahyi walhamdulillah. Nous avons la honte pour Allah, ya Rasulallah. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laisse d'aller. Pas ça que je peux dire là. Mais seulement une vraie la honte. Walakin al-istihya min Allahi haqq al-haya. Il y a quatre petites choses. Vraie la honte envers Allah. En tahfaz ra'sam wa ma wara. Te protège toute la tête de tout ça qui les contenir. Pendant que tu as mis tes mais seulement ban quelque chose qui te apprend et surtout ban ayat Coran qui nous apprend protège-li quand tu révises-li an tahfaz ar-ras wa ma wa'a li contient li dire wal batn wa ma hawa et te vente ça qui li contenir veut dire ta nourriture li besoin quelque chose qui halal wa tadhkur al-maut wal bala to mazin la mort bala et tout ban difficulté qui vient ensemble avec lui. En te la tête, deuxième te vente, troisième là, l'amour. Et quatrième, il dit, « Waman arad al-akhira, tarakazina ta dunya. » Celui qui peut dire, « Ou l'akhirat, liquide ban embellissement de dunya. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Faman fa'ala dhalika, faqad istahya min Allahi haqqal haya. » Celui qui fait sa carte là, à ce moment-là, il finit la honte pour Allah subhanahu wa ta'ala, en vrai une vraie la honte. Ce hadith-là, il est devant nous, chers frères et sœurs, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec son compagnon, « Et la honte pour Allah. » Ben, sahaba dit, « Alhamdulillah, nous est là. » Il dit, « Non, ce n'est pas ça. » Mais seulement, ça quatre quelque chose. La haine de la tête, protège-le. Veut dire, ben, quelque chose qui est là-dedans. Et surtout, qui est dans la relation avec ton dîne. Deuxième, te vente. Pas les sinon, il rentre dans toute la bouche, excepté ça qui? Ça qui halal. Troisième, te mazine l'amour. Et ban étape qui vient ensemble avec lui. Et quatrième, si tu peux dire que tu es l'akhirat, excepté qu'il te quitte ban l'embellissement qui est dans l'eau dunia. Et il termine, il dit celui qui fait ceci, c'est être l'ifin et n'a une vraie la honte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, et dernier, comme on connaît, il y a un rab qui honte. Ça vient de sa justice, c'est toujours qu'il. Oui. L'eau la terre, comme il y a injustice, nous vivons. Quand arrive le jour Qiyama, sa robe-là, il pour honte pour lui faire un mauvais jugement. Parce qu'il y a la honte dans lui, oui non. Vous avez dit pour faire ça. Il vous donne ça qu'il sa mérite, oui non. Il donne ça qu'il mérite. Ban bonne action qu'il m'a fait faire, moi tout seul. Ban hak, ban droit que les autres, ils prennent pour moi. Est-ce qu'il joue Qiyama, il peut passer inaperçu? Non. Qui fait? Parce que c'est lui qui me peut rendre compte, Oli. Il y a beaucoup la honte. Mais ça, beaucoup la honte qui y en a là, ça pour empêcher de faire l'injustice. Ça pour empêcher de faire l'injustice. Donc, quand nous peut sa bonne qualité-là, chers frères et sœurs, quand nous guette sa nom-là, ça amène nous pour comprendre au fait, Al-Hayyiyu, c'est pas un manquement quand nous peut dire nos robes et la honte. Mais non, c'est un plus de la perfection, oui non. C'est un plus pour montrer nous perfection qui sa robe là et non, qui même sa qualité là, en d'autres mots, il n'est pas pour faire aucun du tout, même un lagrin atome, parce qu'il est pour honte pour faire ben quelque chose pareil. Et Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons ben les autres noms.
qui est dans le hadith. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.